Alors, pour éditer des fiches SmartFlora, c'est très simple. Lorsque vous avez effectué votre recherche, vous pouvez avoir affaire soit à des fiches qui s'affichent en vert, et dans ces cas-là, c'est qu'elles sont déjà créées. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce bouton, Éditer, pour accéder à la fiche qui comporte différentes catégories de description. Et pour les modifier, il vous suffit de double-cliquer sur l'encadré. Vous pouvez alors modifier ce que vous souhaitez, puis cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. Dans le cas de fiches qui s'affichent en blanc, c'est qu'elles n'ont pas encore été créées. Pour les créer, il vous suffit de cliquer sur le plus, qui vous renvoie là aussi vers la fiche d'édition, qui est cette fois vide. De même, il vous suffit de double-cliquer sur l'encadré, de rentrer votre description et de cliquer sur OK pour l'enregistrer.